Et salut tout le monde, c'est Ralox. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Evil Within 2. Et non, ce n'est pas ce bonhomme qui court, ça c'est Sébastien Castellanos. Hein. Oh, j'ai trouvé une danse. Sinon, maintenant on va aller voir Tatiana et puis on va continuer la mission. J'avais pas été dans le dernier épisode. Voilà, on a fait les pièces détachées et tout. 11 450 gel vert. Je sais pas si j'ai assez, je vais aller voir ça. Déjà, je vais voir ce que je vais mettre. Ça va me faire peur, non? Inspecteur Castellanos, c'est bon de Non, vous c'est. revoir. C'est bon, elle me fait pas peur. Alors, casier. Est-ce que j'ai une clé? Non, je n'ai pas de clé. Ça me fait de la peine. Alors, qu'est-ce que Il je n'y peux a aucun améliorer? mal à être trop Oui, je prudent, sais. mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous Ça devriez donne envie de peut-être opter courir. pour plus de compétences de combat. Je crois que je vais prendre le combat en fait. Pour la stabilité. 7500. Puis j'ai 0 gel rouge. Furtivité, j'ai tout. De toute façon, santé. Ah, la santé aussi, c'était pas mal. Hein. Vous regardez, attends. 75%. Le réticule, c'est de combien en fait? Ouais, je prends le réticule. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est quoi ça? De toute façon, j'ai pas assez. C'était quoi? Encore moins de recul lors des tirs. Ouais, non, c'est pas ça. Il me fallait plus. Récupération. Non, ça c'est pour la santé, je m'en fous en fait. Vitesse de récupération de santé augmente si vous. Ouais, mais non. Santé par contre, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Pour 50 quoi. J'ai pas assez. Agilité, bon là j'ai clairement pas assez. J'ai clairement pas assez. Il me faudra 7500 pour améliorer ça et puis 12 000 pour. Ok. C'est bon. Est-ce que je peux te parler? Vous revoilà. De nouvelles connaissances réclament de nouveaux talents pour les défis à venir. Si vous saviez quelque chose que j'ignorais, vous auriez pu me le dire et m'épargner le sale boulot. Si seulement. Mais vous devez entreprendre ce voyage seul. Mais je suis pas seul. D'autres personnes m'aident déjà. Torres, Hoffman, O'Neill. Ils sont là pour vous Non mais accompagner. O'Neill, ça dépend s'il est Mais mort ou vous pas. seul devrez faire la découverte. La découverte. La découverte de soi. C'est tout cela qui rend le stem si intrigant. Je suis sûr que tu vas encore te barrer toi à la fin, alors c'est pour ça que je te parle même pas. T'as autre chose Je à me dire? sais que mon bureau est... Non. Bon allez. Donc là normalement le réticule. Non, je peux pas essayer dans la salle, c'est interdit, c'est vrai. Respectons la salle. Et je ne parle pas du youtubeur. Ah bah si, j'ai l'arme en main, regardez. Hop là, j'ai l'arme en main. Ah bah il a rechargé d'ailleurs. Très bien. Bon bah continuons. J'ai pas sauvegardé, mais j'ai sauvegardé là, c'est pas grave. Et on peut continuer à flipper. Parce qu'on est reparti. Donc sauvegardons. Hop. Sauvegarde. Et je suis bientôt à 16 heures de jeu. Donc comme quoi c'est long. Y'a rien, hein. Oh non, pas les ordinateurs, c'est quoi ça? Seringue, parfait. C'est gentil ça. Y'a rien d'autre? Pas une statuette ou quoi que ce soit, non? Et là on va où? Ah là, la moelle complexe. Oh oui! Bon, espérons que la moelle est encore là. Ah la moelle, c'est vrai, on dit la moelle. Mais je dis la moelle parce que ça s'écrit comme ça. Mais sinon ça se dit la moelle. Bon, c'était un chargement, ça sert à rien de courir, mais bon, on va essayer. Sinon la stabilité, je peux pas. Non, je peux pas. C'est interdit. Et ben moi je vais tourner de l'autre sens. Et là le chargement il bug. Donc je vais retourner de l'autre sens. Le chargement redémarre. Si je me mets comme ça, non ça n'a rien à voir. Ok. J'avais plus d'endurance. Où est le. Ah. Récupère l'endurance. Récupère. On sait jamais. S'il y a quelque chose devant. Ah. Ah, je suis revenu ici en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Opérateur de Mobius décédé, ok. Prendre ça. On a quand même de plus en plus de pièces détachées, je trouve. Hein. Voilà, regardez, encore des pièces. Ah, tant mieux, tant mieux. Ah, l'extincteur. Un condensateur. Cette unité de condensation portable est utilisée en laboratoire pour refroidir les gaz et les condensé en liquide. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok. Ça c'est pour faire les carreaux d'arbalète immobilisants en fait.
stabilité est mieux, hein, pour tirer. Bon, je dis pas que je vais mieux tirer. Pas de screamer? Parce que je le sens pas. On est où sur la carte? Ah, dans un nouveau lieu, très bien. Vous la sentez, votre bouche, enfin votre langue un peu pâteuse. Enfin, moi je la sens, hein, j'ai un peu peur là. Oh non, ne me dis pas que... Attends, mais ça n'a rien à voir, j'espère. J'ai cru que j'ai dû utiliser un carreau d'arbalète électrique, mais on aurait donné un sinon. Oh, mais c'était facile en fait, tu devais tout allumer. Oh merde. J'aime pas cette ambiance, hein, pour vous dire. Visière pompier, tout rechargé, ouais. Merde. On dirait que Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. J'ai reçu encore un diapositif. Super. Faut trouver un miroir pour le regarder. Là, je peux pas aller ici, mais je regarde en fait. Plus qu'on avance dans le jeu, plus ça fait peur. Hein. Y'a quoi là? C'est du bonus, non? Toi, tu vas te réveiller. Ah non. Bon, bah, vu que t'as une seringue. Ah, c'est lui le. L'agent de Mobius décédé, non? Ok, il me donne une seringue lui. T'as pu me donner des balles de sniper, des trucs comme ça, non? Une seringue. Enfin, merci, mais bon, quand même. Respecte-moi un petit peu. Rien d'autre? Non. Il va pas être là, l'autre compte Théodore. Là. Ah, attends, mais il faut rétablir le courant parce que ça, c'est le truc que j'aime pas là. Le truc qu'il faut. Ok. C'est pas là où est Hoffman. C'est une planque. Ah, mais. Putain, ça m'a fait peur. Ah, si, normalement, elle était là. Elle m'a fait peur. Non, me dis pas qu'elle est morte. Encore un. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attends, non, pas maintenant, pas maintenant. J'ai pas fini de fouiller. Bon, c'est bien que c'est fait exprès. Ah, je peux pas bouger, c'est des enfoirés. C'est toi ? Lyra, c'est toi, non ? C'est toi ? Ah non, Liam. Pourquoi mon communicateur capte ton signal ? Peu importe, laisse tomber. Où est-ce que t'es ? Quoi ? Mais c'est de l'autre côté du laboratoire. C'est une zone interdite. On nous a dit de ne jamais y aller. Elle bouge ? J'avais même pas. Déjà, ça c'est pour moi. Ouais, je te rejoins là-bas. Fais attention. Et là, Screamer, non? Non. O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Ça lui ressemble pas. Ah. Je sais aussi que j'avais raté un truc dans le garage. Dans l'autre truc de Union, là. Mais je peux plus de toute façon, c'est trop tard. Ah. Sauvegarde, là. Je vais prendre de l'email, on va lire. Fichier informatique et note de Hoffman. Le temps en tant que concept à l'intérieur du STEM s'est toujours révélé en. Être une notion délicate, mais la disparition du noyau et la chute d'Union ont tout amplifié. Les changements ici se sont encore amplifiés depuis que Sébastien est parti affronter Stefano. J'ai bien peur qu'il ait échoué. Je continue à tout surveiller de près via les caméras de sécurité. Non seulement Union change, je sais, je fais pas de pause entre les points, mais je me dépêche. Mais la corruption s'est répandue jusque dans la moelle elle-même. Elle change, se transforme, des objets apparaissent de nulle part, des créatures défiant l'imagination se promènent en liberté. Je ne quitterai pas cette planque sans avoir une bonne raison au préalable. Mais qui sait combien de temps elle restera sûre. Fusible. Y'a rien d'autre. Alors je sais pas si j'ai besoin de prendre un café. Non, je suis à fond, je vais pas prendre de café. Hein. On viendra si j'en ai besoin, on va sauvegarder. Le titre reconnexion, ça me fait penser que ça revient tout doucement et après c'est le bordel. On dirait que j'ai tout fouillé. Et on peut pas ouvrir ça, non. La source, quand on te donne des munitions, t'es content, mais la source, non. Tu veux Hoffman pour savoir ce qui est devenu O'Neill. Il est devenu de la bouillie, non. Trop calme.
juste là, non? On va pas attendre Mobius, c'est O'Neill, non? Une pochette, j'ai pas vu. Pochette améliorée, fusil à pompe. Ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas assez de balles de fusil à pompe, donc... Tu m'aurais donné arbalète, j'aurais été content, parce que pistolet, j'en ai pas mal. Non, t'es sérieux? Oh putain! Putain! Hé! Hey. Dégâts supérieurs! Oh oui, la stabilité est beaucoup mieux! What? Regardez ça! Mais il est con lui! Oh les dégâts, la réticule et les dégâts sont beaucoup mieux, on est bien là. Oh le mec, j'avoue ça m'a fait peur, ça m'a fait un tout petit peu sursauter, je m'y attendais pas. Parce que j'ai vu les pièces détachées supérieures que j'ai récupérées, je me suis dit, tout est bien, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'est arrivé. Et du coup, vu que je m'y attendais pas, dès que c'est venu en fait, j'ai eu le temps de comprendre en fait ce que c'était. Mais bon, c'est pas grave. Ascenseur, je déteste les ascenseurs dans le jeu. Comprenez les DLC de Ascendment et conséquences. De The Evil Within 1. S'il y a la femme lampadaire qui arrive, j'arrête ce headflay. Pourquoi il fait des clignotements là? Quel côté? Ah, j'ai le bon côté pour une fois. À moins que... Non. Alors... Il est juste là lui, ok. Attendre Mobius décédé. C'est pas lui. Tout va bien ici. Ah. Une pipe. C'est un tuyau, mais bon. On dirait que la sécurité. Ah, tu m'excuses, je t'ai coupé. Ah. T'es renforcé ici. Ah, tu m'excuses, mais le point était derrière moi. Ah non, il est devant. Ok. Je peux pas aller ici. C'est bizarre. Hein, parce que l'opérateur est sur le côté. Et je peux pas. Non. Ah. C'est toi l'opérateur, c'est ça? Ah, il y a des balles de fusil à pompe, c'est ça? Enfin, des cartouches plutôt. Ouais, cartouches de fusil à pompe, parfait. Il nous donne plein de trucs quand même, hein. Ce que vous en pensez, un email. Fichier informatique, protocole de sécurité. En raison de la nature sensible des expériences menées ici, le laboratoire n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius dotés de la puce d'union cérébrale autorisée. Merci de respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrez dans le laboratoire et n'oubliez pas que votre accréditation vous oblige à respecter votre contrat de non-divulgation top secret. Tout opérateur surpris à vouloir entrer dans le laboratoire sans accréditation sera soumis à des châtiments corporels comme décrit dans le règlement de sécurité de Mobius. C'est marrant parce que pour ceux qui font latin, ils disent Mobius. Mais c'est Mobius, hein. Eh, mais c'est les mêmes miroirs que le 1. Celui-là, il ressemble vachement. J'y vais, je pense pas que ça va être bien. J'avais une photo. J'aime trop ce chat. Il m'en manque 4, je sais, vous allez me dire 5, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est pas Ruvik ça, la main? Kidman, je sais quoi. C'est moi. Je vous reçois 5 sur 5. Mobius. Un nom. C'est tout ce que j'avais pour avancer. Toutes les pistes que je suivais étaient des impasses. Et maintenant, je découvre qu'ils sont partout. Cachés à la vue de tous. Je comprends pas comment. Je vous l'ai déjà dit. On ne trouve pas Mobius à moins qu'il le veuille. Ils sont parmi nous depuis longtemps, très longtemps. Ils savent ce qu'ils font. Nous savions que vous cherchiez. On vous surveillait. Et nous avons réussi à vous stopper à chaque fois que vous vous approchiez trop. Pourquoi? Pourquoi font-ils tout ça? Les gens ont besoin d'être guidés. Les gens choisissent leurs dirigeants. Ce que veut Mobius n'est pas guider les gens. C'est de l'emprisonnement. Et ils le savent. Si tous les médias et les politiciens leur appartiennent, ils devraient agir publiquement. Il y a un micro, regardez ça, en fait. Parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Si les gens connaissaient la vérité, il resterait déjà plus rien de Mobius. Vous avez peut-être raison. Mais si les gens découvraient la vérité, les croiriez-vous? Ouais. C'est vrai que le moyen le plus simple de cacher une conspiration, c'est justement de faire croire aux gens que les conspirations n'existent pas.
vraiment pas bégayer hein, quand tu fais les phrases comme ça. Alors, t'as quelque chose pour moi, c'est gentil. Plus 700, comme d'hab. Bon, y a rien d'autre ici, j'imagine. On va pas trop rester là. J'ai combien de gel? Disponible. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bah, je peux pas. Ah, comme ça, voilà. J'ai 4850, j'ai largement passé. Je sais que j'ai une pièce détachée, pardon, supérieure. Mais ça va pas me servir à grand chose. Je vais sauvegarder juste vite fait. Après, beaucoup vont me dire pourquoi tu crées plein de sauvegardes. Parce que tout simplement, et ben, j'ai envie. Pour plaisir. Bon, pour le moment, j'ai plus le stand de tir parce que ça m'a saoulé. Peut-être plus tard, vite fait, hors vidéo. J'ai envie d'avancer un peu en fait. Par contre, là, l'ambiance, j'aime un peu moins. Non, c'est de l'autre côté. On est de là, c'est là-bas qu'on doit aller, non? Non, au contraire. Ah! J'ai cru que ça ressemblait étrangement au début de Ascendment. C'est très joli ici. Hein. Ça se referme derrière? Non? Si, et on peut y aller? Oui. Il y a du sang ici. Dommage, c'était si beau. La femme de ménage n'est pas passée. J'ai très peu confiance. Wow. Wow, j'ai déjà vu ça dans un wallpaper. Qu'est-ce que c'est? C'est le gel vert? Est-ce que c'est le gel vert qu'on récolte? Ça défile extrêmement vite, je ne peux pas lire. Oh mon dieu. Ils vont se réveiller après. Plus comment Sébastien y court, c'est-à-dire il sait qu'il y a des zombies. Je suis méchant quand même comment je les tape à chaque fois. Hein. Du gel. C'est marrant parce que le gel maintenant la boîte elle est en or. C'est tout? Il n'y a pas une statuette. Tu mens là. Il y a une statuette. Je sens qu'après dès que je vais franchir la porte en fait, ça va tout se libérer. Regardez bien, attendez. Voilà, là ça a libéré, non? Non? Tant mieux. Mais je sens qu'après... Oh, regardez là. Ah. J'ai pas assez de pièces détachées pour améliorer le pistolet encore. J'améliore le pistolet parce que c'est l'arme de base quand même. Là y'a rien, c'est nous qu'on va aller dedans. Ça m'a fait peur. Ah, c'est Hoffman. Bon, moi, cet accès. Accès refusé. On peut pas passer sans cette puce. Accès refusé. Je m'en doutais. Merde. J'ai rien fait, moi. Prochaine puce. Nos efforts n'ont servi à rien. 20% de la population. Point de résonance. Ah, j'ai vu un truc là-bas pour utiliser un carreau. Je vais faire ça juste après. Wow! Bon, ils vont clairement tous se réveiller là, je le sais. Enfin, je le sais, j'imagine. Non, c'est pas ça que je vais faire, voilà ça. Pas de conneries, hein. J'espère que ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, et attends, il y a tellement de passages. Lui, il est mort, lui. C'est tout ce que je sais. Je devrais peut-être d'abord fouiller le petit passage avant que je vais dans le droit chemin. Putain, c'est quoi ça? Ça m'a fait peur. J'avoue, j'ai sursauté, mais là où est-il?
Ça y est là. Ah, il est de l'autre côté. Concentré là. Ah, il est là, il est là, il est là. Ok, c'est bon. Tant que je t'ai en visuel, toi. Attends. Non. Putain, il fallait me voir. Que tu te retournes là. Allez, retourne-toi. Enfin. Ah. Allez, ça dégage. Bon, la salle est extrêmement grande. J'espère qu'on va pas avoir un boss. On entend un autre. Mais... Non, chut, doucement, Sébastien, doucement. Calme ta joie. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, le point de résonance c'est pas loin. Qu'est-ce que c'est? Ah, truc de soin. Bon, j'ai ma vie à fond, donc si jamais j'en ai besoin, je reviendrai ici. Je peux aller partout, quoi. Ces fenêtres sont très sales. Poudre à canon. Ça veut dire une balle. Hein. Ah, je veux bien, ok, c'est là, mais c'est où? C'est de l'autre côté. Franchement, je sais pas où. Attends. J'ai vu un truc, je sais. Ah, mais le point de résonance, c'est de l'autre côté, je peux y aller. Ah, j'espère. Il y a beaucoup de gel rouge. Enfin, il y a du gel rouge. J'aime pas cette salle. Ah! Rapport, étude des irrégularités. Le phénomène est devenu plus prévalent. Équivalent. J'arrive pas à lire, en fait, je suis très loin de ma télé. En plus, là, mon autre télé, elle est en panne, du coup, je suis sur une plus petite télé. Plus prévalent, l'ensemble du laboratoire de la moelle est dédié à cette étude. Les transformations des citoyens sont devenues plus rapides, plus violentes et encore plus obscènes. Ces mutations ne peuvent même pas être considérées comme humains. Elles ont perdu tout semblant d'humain. Nous avons appelé ces citoyens à peu affectés les déchus. La certitude d'être poursuivi par une force invisible et inéluctable marque la dernière phrase avant métamorphose. Dès qu'ils ont succombé à cette force, leur transformation commence. Le STEM est une construction artificielle. On n'y trouve ni virus, ni bactéries, ni contagion. Le phénomène des déchus est de ce fait un processus mental. Nous n'avons toujours aucune idée de son mode de propagation ni de ses prochaines cibles. Le déclencheur était peut-être présent dans les sujets avant qu'il n'entre dans le STEM. Des études plus approfondies sont nécessaires. Je déteste le blanc sur noir. Pourtant, je lis beaucoup. J'aime bien les bandes dessinées, alors... Comme je dis, je ne bégaye pas, c'est que j'arrive pas à lire de là. Après, certes, il y a des fois, il y a des mots que j'arrive... Je bégaye comme un fou. Par contre, j'ai pas trouvé le... Ah, parce que c'est pas la salle là, en fait. Toi, tu vas te... Non, c'est celui que j'ai tué. Attends, là, je peux y aller, non? Non, ça sert extrêmement à rien. Ah, tchoum! Voilà, tchoum! C'était la tchoum de la victoire. Là, c'est rouge, j'ai peur. Il y a une bouteille, c'est vrai que ça peut servir la bouteille pour. Surtout que l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je peux pas accès toucher à ça. Ouais, tais-toi. Et il y a des balles là, non? C'est quoi? Ah, un fusible. Toi, t'es mort? Ouais. Encore un truc à lire. Pas grave. Rapport. Irrégularité d'intégration du STEM. Nous avons commencé à observer les nouveaux effets secondaires inattendus suite à l'intégration du STEM chez certains citoyens de l'Union. Les symptômes sont d'abord légers, brèves détresse psychologique,
déclenché par le chevauchement de vieux souvenirs, les citoyens affectés commencent par revivre d'anciens souvenirs qui les mettent dans un état de confusion. La réécriture de leurs souvenirs n'est qu'une mesure provisoire. Leur nouvelle désignation au sein d'Union ne fait que semer davantage de confusion. Ces crises se transforment rapidement en... J'ai cru voir un truc passer à l'écran, mais non. Parce que je suis en pause. Rapidement en dissociation complète. Si, ça bouge pourtant, hein. Et au final, en métamorphose physique totale. Ce phénomène n'affecte actuellement que 0,005% de la population, mais il n'en est pas moins troublant. Nous avons beaucoup appris après l'incident Beacon, mais le STEM reste une technologie expérimentale. Nous isolons nos études tout en poursuivant l'extension d'Union. Il est impératif d'endiguer ce phénomène avant de perdre le contrôle. Ok, dossier 28 sur 40. J'imagine que j'en ai loupé de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Quel est-ce? Je sais pas d'où ça vient. Oh! Ah non! Eh, je suis pas d'accord. Hein. Regardez la pose de Sébastien, comment il tire, quoi. Dans l'ombre. Dans l'ombre de la lumière. Ah, on peut ouvrir ça. Du matos. 30. Non, 20. Je sais pas, c'est énorme. Alors, où est-ce qu'ils sont, eux? Ah, là-bas, je l'ai vu. Je crois qu'ils sont deux encore. Viens par ici, toi. Viens par ici, toi. Viens par ici. Ah non, non, j'étais. Oui, oui, parfait. Bien joué, Sébastien, bien joué. Mon chien, c'est tranquille, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il fait toujours ça, c'est un problème dans sa gorge, mais bon. Enfin, je sais pas trop c'est quoi comme problème, mais c'est pas extrêmement grave. Là, tu es à droite, non? Il était pas là tout à l'heure. Hein. Ah, il est peut-être en haut. Ah bah, avant d'aller en haut, je vais aller d'abord aller voir... ici. Des citoyens d'Union. Qu'est-ce que Mobius faisait avec eux? Très bonne question. Des clous. Oula, des balles de fusil à pompe, ça rigole pas là. J'ai quand même pas mal de balles de fusil à pompe. Eh mais attends. On va retourner en arrière, ça a l'air hyper grand ici. Avant que je fasse une connerie. Ouais, je vais aller à gauche. Oh non. Qu'est-ce que ce bruit-là ne me dit pas que... Attends, là j'ai une bouteille. Ne me dit pas que c'est la grosse dégueulasse là qui... Elle est où? Oh, elle est là. Elle préfère manger. Bon bah ok. Hop là, dans le téton. Mais il reste que l'autre en haut. Pas mal cette infiltration là. Bon, y a plein de trucs. D'abord je vais tuer l'autre là-bas. Il est mort. T'es mort toi? Ouais, je crois bien. Ah, il y avait un truc. Ah oui, mais moi je me mets comme ça. Hein. C'est bizarre, j'ai pas trouvé. Ah, attends, j'ai pas vu un truc là? Non, j'ai rêvé. Bon ben, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh là là, c'est grand. C'est grand, je m'y retrouve pas. J'ai peur d'aller vers le bon endroit. C'est où le bon endroit? Ah, ils mettent carrément un truc pour miroir. Je sais pas si le bon endroit c'est des trucs comme ça. Ah, faut rétablir le courant, le bon endroit, je crois. Une balle de pistolet. C'est-à-dire qu'il y aura un truc.
Je suis sûr qu'il y a une statuette dans tout ça. Je suis sûr qu'il y a une statuette. Il y a un autre sens, quelqu'un va se relever. Et encore 5 pièces détachées et je peux améliorer les dégâts. Attends, y a pas un truc là? Non mais j'inspecte bien. Hein. Non, y a rien. Je voulais pas trop ouvrir. Bah, du gel. Pour ouvrir ça. Ensuite, on va lire ça. Fichier informatique, problème opérateur. Nos pires craintes sont réalisées. Le phénomène des déchus s'est étendu aux opérateurs de Mobius. Nous avions théorisé que les transformations, ah j'ai soif là, je parle tellement, étaient dues à une réécriture des souvenirs, mais aucun opérateur n'a subi cette opération. Je coupe toujours moi. Nous avons pu... Ah attends, il y a un code en bas je crois. Nous avons pu mettre en quarantaine et éliminer un opérateur de Mobius touché par ce problème avant qu'il ne se transforme. Peut-être est-ce le fait d'avoir été en contact avec tellement de cadavres de déchus dans la fosse qui a déclenché cela. Peut-être est-ce une simple coïncidence. Nous avons récupéré sa puce d'union cérébrale dans l'espoir d'obtenir de nouvelles données. La récupération de puces cérébrales intactes est possible grâce à l'extracteur. C'est un processus relativement simple et automatisé. Il suffit de placer le juste sur la table d'opération et de saisir le code d'activation de l'extracteur 0128. Ils n'ont pas encore retiré la puce de ce type. Je devrais pouvoir l'utiliser pour passer cette porte et trouver Hoffman. Ouais, mais là, c'est tout le bordel du coup. C'est quoi ça? Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça maintenant parce que je sais pas ce qui va se passer. Du coup, je vais juste repartir. Tranquillement. On va revenir juste après. Non, moi, j'ai dit je visite tout, hein, parce que faut rien louper dans le jeu. Et pourquoi acheter un jeu si on visite deux quarts de ce qu'on fait, en fait? Merde. Merde. Putain, ils sont deux. Ah, ça va être chiant, attends. Bah, j'ai une idée, regardez. L'intelligence. What? Complètement bugué. Hein. Allez, je vous attends. Ils viennent pas, c'est con. Oh, ils viennent ou ils viennent pas là? Allez, viens. Allez. Au revoir. Où es-tu, toi? Ok, je t'ai vu. C'est rare que je regarde à droite. D'habitude, je regarde à gauche. C'est marrant parce que sur ma fesse droite, c'est marqué 0, un code. Je sais pas à quoi ça correspond. Ensuite, là, j'ai pas été. Ah. Ah, mais ils sont là. De Mobius SD, bah je vois bien. Bon, c'est son communicateur là. Ah, pochette de quoi? En fait, c'est marqué quand je vais dessus, mais je lis pas en fait. Pochette améliorée, pochette de seringue. Ah, pas mal. Ça peut servir des fois.
Mouchette de soin. Oh, la viande. Y'a que ça ici. Attends, il y avait de la poudre à canon. C'est ce qu'il faut prendre en premier. Hop, je la prends à travers. 6. Ça fait 3 balles de pistolet. De pistolet, je dis bien. Sur fusil à pompe, ça fait une balle ou... Ouais, une balle. Il n'y a rien d'autre. Je vais aller voir là-bas. Si on peut y aller, non, on peut pas y aller. Il y a des trucs qui bloquent. On va ressortir d'ici. J'ai tué tout le monde normalement. Ouais. Je pense bien. Je pensais que ça aurait été pire au niveau zombie ce qui allait se passer. Non. J'ai utilisé 2 bouteilles au fait. Enfin, j'en ai utilisé 3, j'en ai perdu 2. J'en ai obtenu une tout à l'heure. C'était où la salle avec le gars là? J'ai pas activé, c'était là non? Faut que j'améliore un peu le sprint. Là il y avait une bouteille. J'en récupère une. C'était ici ou pas? Ouais, c'était clairement ici. Si j'ai une bonne mémoire, c'était 0128. Hein, si j'ai une bonne mémoire. Allez, voyons ce que ça donne. Non, j'avais pas fini de voir un autre truc. Eh, c'est dégueulasse. J'avais pas vu en bas en fait ce qu'il y avait. Oh. Oh putain. J'ai mal à la tête là. Les textures par contre. On va récupérer son sang. Puce d'union cérébrale. Cette puce électronique a été implantée dans le cerveau d'un opérateur de Mobius. J'ai le code du coup. Heureusement qu'il est déjà mort. Il faut que je sorte de ce labo. Pourquoi je sens que ce sera pas comme ça? Putain. Putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est la femme de ménage? C'est samedi, y a rien ici. J'ai pas visité encore une pièce en fait. Putain, je sens que... Je sens le boss en fait. Je sens le fucking boss. Oh putain, j'ai entendu un truc là. Oh non, pas elle. Oh non. Oh non, vous êtes sérieux? Je vais la sniper, il me reste une balle de sniper. Ouais, mais on peut pas sniper comme ça. Putain, il y en a plusieurs. Putain, il y en a plusieurs ou quoi? C'est quoi cette blague? Je peux toujours descendre en bas où est-ce que je voulais aller. Mais il y a quelqu'un qui m'a entendu. Viens ici toi mon coco. Viens ici, viens ici. Viens ici, c'est ça, viens. 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 Approche-toi encore un peu. Approche-toi encore un peu. Un tout petit peu. Allez, tu peux le faire. Un tout petit peu. Bon tant pis, je vais t'avoir. Ah merde. Putain. Mais non. Il va se remettre dans sa position. Non, ça va. Il est un peu bugué. Hop, et ça dégage. Je peux pas sniper de là. Putain, allez, attends. Eh. Ça passe. Je sais pas si ça passe à travers, par contre. Arrête de bouger. Attends, j'allais tirer en plus. Pourquoi il tire pas? Il veut pas tirer, donc je ne tire pas. Pas silencieux ce que je vais faire. Mais t'es pas un petit point de sauvegarde là? Attends, attends, je vais d'abord aller là-bas. Ça, elle peut pas me suivre là. Eh bien d'accord. Voilà. On est tous d'accord.
On est bien d'accord qu'ici c'est pas la suite. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Par contre, on est aussi d'accord que c'est chelou. What the fuck? Encore lire? Bon, après. Bon, non, maintenant. Alors, fichier informatique observatoire de la fosse. La solitude me pèse ici et c'est flippant. Balancer ses corps, ses choses dans cette fosse et il continue d'arriver. Comment ai-je fait pour atterrir ici? J'entends des choses, des voix qui viennent de la fosse, mais c'est impossible. Mais si elles ne viennent pas de la fosse, ça veut dire qu'elles sont dans ma tête. Et c'est pire, les hallucinations auditives sont l'un des symptômes. Mais je ne peux pas être infecté. Ce n'est pas un virus ou une bactérie. C'est un truc mental qui n'affecte que les citoyens dont les souvenirs ont été réécrits. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Merde, je dois garder la... Oh, excusez-moi, mais j'ai lu ce qui est marqué. Je dois garder la tête froide. C'est juste la solitude qui a fait ça. Qui fait ça. La solitude et me retrouver entouré de ces maudits cadavres, ce n'est pas le phénomène. Oh non! Oh non! Il est là. Oh non! Je sors d'ici. Oh non! Ça m'a fait flipper. Oh non! Oh non, c'est le fantôme les gars. Enfin les gars, tout le monde je veux dire. Cette façon de parler. Oh non, c'est une blague. J'aurais jamais dû lire ça maintenant. Je vois même pas le fond. Et là on va se retourner et... Je vois pas encore le fantôme, mais j'ai peur. J'ai peur là. Sachez, le fantôme, c'est ce que je déteste le plus dans ce jeu. Il va apparaître hein, derrière, hein, ou devant. Je l'entends pas dans ma manette pour le moment. Je dis pour le moment parce que. Non. 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 Oh shit. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une blague. Il vole maintenant. Encore cette chose. J'ai jamais dû faire ça. Non. Oui. Écoutez, je rapproche du micro. Je rapproche du micro, hein. C'est le bruit de ma manette, ça. Non, 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 mais je peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maintenant, 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 maintenant. Range ton pistolet parce que je vais faire une connerie, je vais gaspiller des balles pour rien. D'accord, tu prends ça si tu veux, tu prends une bouteille. Qu'est-ce que... Putain, le bordel. Ah, oh, bien sûr, ouais, t'es marrant. Sauvegarde! Je peux pas le tuer à un moment, ce fantôme. Elle m'a vu là, non? Vite, 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 parce qu'elle va. C'est horrible. C'est horrible. Je vais pas me dépêcher, je vais prendre mon temps. Eh hey, mais c'est moi en bas. C'est moi. Attends, je vais la surveiller elle parce que... C'est un peu bizarre, hein. Je sais que c'est un fantôme, mais marcher dans les airs... Allez, retourne-toi devant en fait. Allez, tant pis. C'est moi où elle m'a vu. Là, il y a un truc, là. Je sais pas s'il y a des statuettes, mais dans des circonstances comme ça, je vais pas chercher de statuettes. Hein. Alors là, ça me fait flipper parce que je la vois plus, du coup.
C'est quoi, je suis un patron, je vais aller voir de l'autre côté. Même si je vais le regretter. Qu'elle fait pas ça, Stika, c'est qu'elle nous a pas vu. Regardez ça. Non. C'est moi ça, tu me lâches. Regardez ça, elle est horrible. Et là c'est le boss. Et on peut pas la tuer, c'est un fantôme. Peut-être avec le soleil, mais. M'a-t-elle vu? Non, elle m'a pas vu. À moins qu'on fait comme dans Luigi's Mansion 2 ou dans le 1, je sais pas, l'aspirateur. Je sais que dans le 2 il y a, mais dans le 1, je ne sais pas. Je pense que mon pote ne fera jamais le 2. Hein. Surtout quand il verra ce fantôme. Allez, dégage de là, Sébastien. Prends ta bouteille. Non, j'ai pas dit l'arbalète. J'ai dit la bouteille. Quand je la vois, j'ai pas forcément peur. C'est quand je la perds de vue. Un peu comme là, voilà. Putain, non. Oh non, ça j'aime pas, ça fait peur. Ton... Arrête de faire la sorcière, c'est un fantôme ou une sorcière? Attends, si elle fait U, je suis dans la merde. Et vas-y, fais ton bruit. Faut pas passer par là, c'est une blague. Attends. Non! Elle m'a vu! Non. Quoi? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Rire, hein. Tu es horrible. Vraiment, je sais pas. Wow. Est-ce qu'il faut que je speedrun? Je vais certainement crever en faisant ce que je fais. Bien sûr que je vais crever. Mais bon, j'ai tenté au moins. J'ai tenté. Bon, je vous mets le passage que j'ai réussi. Après être mort plein de fois. D'ailleurs, il fait même plus froid là. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas repousser ça. Peut-être faut repousser ça. Attendez. Laisse-moi passer. Mais non, on passe tranquille. Ah non. Oh, attends. Non. Oui. Allez, barre-toi. Encore cette chose. Pourquoi est-ce qu'elle me suit? Encore. Oh non, ne dis pas que. J'ai cru que c'était encore l'énigme avec les miroirs. Par contre, elle va revenir. Non, range ton pistolet, Sébastien. C'est pas la meilleure idée. C'est un fantôme, tu le sais très bien. Tu peux pas la tuer comme ça. Enfin, pour le moment, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Dossier. Et j'en ai 31 sur 40. Hein. C'est pas mal. Hein. J'ai jamais eu autant. Évaluation psychologique déchirée. Bah, la partie supérieure du rapport a été arrachée. Reste en observation les informations obtenues suite à son expérience dans le STEM pourraient être inestimables pour l'organisation. Il a été prouvé qu'une immersion prolongée dans le STEM pourrait avoir des effets résiduels sur le long terme. Le cas de l'inspecteur Castellanos est unique puisqu'il est entré et sorti du STEM sans préparation standard ni efficacement des souvenirs. Nous pourrions beaucoup apprendre sur les répercussions mentales du STEM simplement en le laissant vaquer à ses occupations et en l'observant à distance. Je vais continuer à surveiller l'état mental de l'inspecteur Castellanos via nos sessions de thérapie obligatoire et signalerai toute découverte à l'organisation de manière hebdomadaire. Walter Harrington, psychologue. Bordel. Ok. Non. Mobius se servait de moi comme cobaye. Effet résiduel persistant. Il savait que le STEM me marquerait à ce point-là. Ouais, bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à partager la vidéo,
et à la commenter aussi. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans le noir. Ciao tout le monde. Ah merde, je voulais m'éteindre. Allez, ciao tout le monde.